ils allaient ensemble. Et les filles des prophètes sont venues. Est-ce que tu sais que Dieu va enlever ton maître de toi aujourd'hui? Je le sais. Gardez, taisez-vous. C'était des gens qui n'avaient pas d'objectif. Ils connaissaient qu'il y allait. Ils savaient qu'il sera enlevé de la terre. Et depuis le temps d'Enoch, cela n'a jamais eu lieu. Ils savaient que c'était l'homme prochain à partir. Ils ont vu la vision, mais ils n'avaient pas la perception. Il y a des gens qui ont des yeux pour voir. Et ils voient des visions, ils voient ceci, ils voient cela, mais ils ne voient pas la réalité. Ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi. Élie va partir aujourd'hui. Je vois Élie maintenant. Je peux le toucher. Je peux interagir avec lui. Bientôt, les chars vont l'enlever. Qu'est-ce que je vais gagner dedans? Voilà pourquoi gardez votre paix. J'ai un objectif, j'ai un but, j'ai un rêve, j'ai un désir. Ça, ce n'est pas le moment de parler. Je veux dépasser les limites de cet homme de Dieu. Et je veux dépasser les limites de ma vie passée. Par conséquent, ils sont allés ensemble. Élisée reste ici. Dieu m'envoie à Gilgal. Ce n'est pas un homme qui reste derrière. Oh, pour observer une personne qui va regarder. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il a quelque chose. Il s'était lié au bienfaiteur. Il est resté avec ce bienfaiteur. Il dit, comme ton âme vit et Dieu, je ne te laisserai pas. Et ils sont allés ensemble. Ils sont arrivés au Jourdain. Et Élie a pris son manteau. Il observait. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Ce que tu obtiens détermine ce que tu fais. Si tu ne vois rien, si tu n'obtiens rien, tu ne feras pas beaucoup plus que ce que tu as fait par la passée. Il observait Élie agir. Et Élie sortit le manteau et frappa les eaux. Et la rivière s'est divisée en deux. Il a dit, je vois cela. Ce que je vois, je saisis. Ce que je saisis, j'accomplis. Et ils sont allés ensemble. Alors Élie, pour la première fois, il dit, Élisée, il doit avoir quelque chose dans ton cœur. Pourquoi tu te lis à moi comme ça? Et pourquoi tu évolues avec moi comme ça? Tu as quelque chose. Que veux-tu? Il pouvait demander beaucoup d'autres choses. Une longue, bonne santé, une bonne famille, des bons financements pour sa vie, pour ce qu'il fera. Et un bon plan. Est-ce que tu as écrit quelque chose? Parce que Dieu m'a dit que je serai prophète à ta place. Est-ce que tu as noté toutes ces choses que je peux vérifier? Et je peux donc les vérifier pour que je les... Il pouvait demander autre chose. Qu'une double portion de ton esprit repose sur moi. Repose sur moi. Pourquoi tu demandes ça? Si l'esprit est là, les provisions sont là. Si l'esprit est là, la puissance sera là. Si l'esprit est là, tout ce dont j'ai besoin pour la vie et le ministère seront là. Ainsi donc, au lieu de demander 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 et 100, je demande cette seule chose qui pourra donc me permettre d'avoir le reste dans ma vie. Nous devons avoir cette perception. Cette vision, nous devons avoir la vue de ce que le Seigneur veut réaliser à travers nous. Donc, premièrement, les bénédictions du bénéficiaire. Élisée avait un ministère qui a dépassé les limites. Il avait un ministère qui a dépassé les localités. Vous voyez, Naaman qui vient de la Syrie, c'est au-delà d'Israël. Regarde tous ceux-là qui sont venus attraper, l'arrêter et pour le sortir d'Israël. Ils venaient du dehors. Regardez toutes ces choses qui ont eu lieu. La multiplication de la nourriture. Tout est allé au-delà de ses frontières. Si nous cherchons un homme qui a dépassé ses limites, ses frontières, qui a dépassé ses limites, nous voyons cet homme dans l'Ancien Testament en Élisée. Les bénédictions du bénéficiaire.
pour d'autres personnes. Parce qu'il a demandé l'esprit, pas pour lui-même, mais pour le ministère, pour ce qu'il pouvait faire, et pour ce qu'il sera, et ce qu'il réalisera dans la vie et dans le ministère des autres personnes. Les bénédictions pour les bénéficiaires au-delà de ses frontières à travers Dieu. Premièrement, brûler les ponts avant de brûler pour Dieu. En 1 Roi 19. Verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée. Vous voyez, là où Dieu te rencontre et ce que tu fais, te rencontre. Je ne vois personne qui est appelé paresseux, oisif, qui se balade ne faisant rien du tout. Pensez à la paix de Dieu dans la vie des gens, dans la vie. Regardez, Moïse, il faisait quelque chose. Josué faisait quelque chose. Quand l'appel est venu, pensez à Élisée ici. Il labourait quand l'appel lui est parvenu. Pensez à Pierre, il pêchait quand l'appel lui est parvenu. Pensez à Jean et Jacques, il pêchait quand l'appel est venu. Pensez à Matthieu, il était donc au lieu de péage quand Dieu l'a appelé. Ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, les talents naturels que Dieu leur avait donnés, ils utilisaient ces talents naturels. Maintenant, le rôle spirituel, la partie spirituelle est venue. Il y a des gens qui attendent dans l'oisiveté. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Oh, j'attends l'appel de Dieu. Ça ne vient pas de cette manière. Ah, pourquoi tu es oisif? Pourquoi tu es là? Tu te balades seulement. Tu te réveilles le matin. Et ce que tu peux faire, c'est aller là-bas, aller ici. Et tu te mets dans les affaires d'autrui parce que j'attends l'appel. L'appel ne vient pas de cette manière. Il labourait avec 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élisée s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Maintenant, quand nous avons l'appel de Dieu, nous devons avoir l'interprétation. Si nous n'avons pas l'interprétation, nous n'allons jamais comprendre l'appel. Que nous n'allons pas savoir que l'appel est venu. Est-ce que mon frère, Dieu t'a jamais appelé? J'attends, hein? Ah, je veux entendre sa voix du ciel. Comme Paul a entendu la voix, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Ça ne vient toujours pas de cette même manière. Comme Élie passait, il n'a rien dit à Élisée. Élisée, n'est-ce pas ton nom? Oui, monsieur, c'est moi, Élisée. Ah, j'ai une parole de connaissance. Comment j'aurais savoir que tu es Élisée? Et tu sais quelque chose? Dieu m'a dit de venir à toi, hein, et de t'oindre. Alors, si tu cherches l'onction d'une bouteille d'huile, tu vas rater l'onction. Oins-le pour être prophète à ta place, pour te remplacer. Élie n'avait pas une bouteille d'onction pour dire, Élisée, viens ici. Et pour verser l'huile sur lui, c'était différent. En réalité, il n'a même rien dit. Il passait seulement. Et comme il passait, Dieu a dit, voici l'homme. Et tu es l'homme. Et c'est toi la femme. Il jeta le manteau sur lui. Aucune voix, mais il y a l'action. Parfois, vous savez, les actions parlent plus fort que les paroles. Et dans le cas d'Élie à Élisée, les actions ont eu un grand effet. Le premier jour qu'ils se sont rencontrés, c'était le manteau. Jusqu'à la fin de l'histoire entre Élie et Élisée, si tu me vois, ce sera à toi. Ensuite, les chars sont venus. Il a dit, mon père, les chars d'Israël. Une fois encore, pas de voix, mais le manteau est tombé. Le premier jour, c'était le manteau. Et le dernier jour, c'était le manteau. Et notre homme, Élisée, a compris l'histoire. C'est pour moi. Il n'y avait pas de déclaration. Il n'y avait pas d'imposition des mains. Il n'y avait pas d'onction d'huile. C'est ce que je demandais. Et il a pris le manteau. Et il doit tester le manteau. Il est allé au Jourdain. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Élie est parti, mais
son Dieu est toujours là. Les chars sont partis, mais le Dieu d'Élie est toujours là. Et il roula le manteau et pop d'abord, il a ôté son manteau à lui. N'est-ce pas ce qu'il a fait à la première rencontre? Il a brûlé ses jougs de bœuf. Il a dit, je brûle le pont derrière moi. Maintenant, la dernière fois, il a ôté son manteau et il a jeté cela parce qu'il a reçu un plus grand manteau. Qu'est-ce que tu reçois aujourd'hui? Un plus grand manteau? Un manteau plus élevé? Si tu dis amen, maintenant, quand tu comprends que c'est ce que Dieu veut te donner et c'est la main dont il donne, la comparaison est parfois dangereuse. Il y a des gens qui limitent ce qu'ils reçoivent du Seigneur parce qu'ils attendent une expérience comme Paul de Tarse. Quand Dieu m'arrête sur la voie de Damas, mon Damas, et qu'il me parle du ciel, et j'entends sa voix, et ceci, et cela, et je suis aveuglé, et je fais 3 jours de jeûne et prière, et quand je le fais, et qu'il y a Ananias qui vient, et qui me dit, frère Saul, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin, m'envoie vers toi, pour que tes yeux s'ouvrent, et que tu reçoives le Saint-Esprit. Lorsque cela m'arrive de cette manière, alors je saurai que Dieu m'a appelé. La comparaison peut être trompeuse. Si le manteau était le moyen par lequel Dieu a appelé Élisée, il n'a pas appelé Moïse de la même manière. Il ne lui a pas donné autre chose. Il y avait déjà une verge dans la main de Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Une verge, d'accord. Je vais maintenant... va utiliser cela au-delà de la verge de Moïse, ce sera la verge de Dieu. Alors ne compare pas Moïse et Élisée, ne compare pas Josué à Élisée. Il nous appelle de différentes manières, il nous appelle pour des choses différentes. Il passait et il jeta le manteau sur lui. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Il a brûlé le pont derrière. Il y a des choses que nous devons brûler. Regarde ta vie précédente. Tes engagements précédents, tes préoccupations précédentes et les choses que tu faisais. Et tu disais, ceci n'aura rien à faire avec la nouvelle vie que j'ai, avec le nouveau ministère que j'ai. Je dois brûler cela. Qu'est-ce que ces jougs de bœufs feront avec le nouveau ministère d'Élisée? Élisée savait que les jougs et les paires de bœufs qu'il avait par le passé n'auront rien à faire avec le ministère venant dans sa vie. Il a dit, ceci doit partir dans ta vie. Est-ce que tu as jamais pensé à quelque chose qui doit partir, ceci aussi doit partir, tel aussi, je dois brûler ce pont qui me connecte au passé. Voyons 3 éléments ici. Premièrement, voyons brûler les ponts qui nous connectent aux encombrements du passé, aux engagements du passé. Les choses, les ponts qui nous connectent à ces choses. Nous brûlons les ponts qui nous connectent aux encombrements du passé. Deuxièmement, construire les ponts qui nous lient aux engagements futurs. Bâtir les ponts qui nous lient aux engagements. Donc, il y a des gens qui disent, je ne fais pas ça, je ne touche pas ça, je ne bois pas ceci, je ne fume pas ceci. C'est bon pour toi. J'entends ce que tu ne fais pas. Maintenant, entendons ce que tu fais. Le négatif et le positif
les bornes doivent être ensemble avant d'avoir la lumière de la vie et la lumière d'un nouveau ministère. Brûle cela, le passé. Maintenant, bâtis cela, présent. Ensuite, et vous pouvez marcher sur le pont que vous construisez pour le nouveau jour. Premier et deuxièmement, bâtir les ponts qui nous lient aux engagements futurs. Et troisième élément, c'est briser les barrières qui séparent plusieurs. Nous parlons d'Élysée, d'un enroulement fructueux. Quel que ça veut dire pour toi? Si j'entends tout ça sur Moïse, si j'entends tout ça sur Élysée, si j'entends tout ça sur Pierre, qui a quitté les filets de Jacques et Jean, qui se sont séparés de leur connexion des engagements passés et qui ont bâti de nouvelles choses, quelle est l'utilité pour moi? Si j'entends seulement et que je ne transfère pas cela dans ma vie, c'est ce que nous avons dans troisièmement, briser les barrières qui séparent plusieurs d'un engagement fructueux. Premier élément maintenant, brûler les ponts qui nous connectent aux encombrements du passé. Comme nous l'avons déjà lu, il a fait un repas et il a brûlé tous les instruments qu'il avait. Si vous lisez les paraboles de Jésus-Christ, parfois nous lisons seulement ces paraboles, mais quand vous lisez ces paraboles, il y a des accomplissements prophétiques dans certaines paraboles. Et il y a aussi l'accomplissement dans certaines paraboles. Prenez par exemple, en Luc 13, vous voyez, Luc 13, 7. Alors il dit aux vignerons, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Je viens chercher du fruit, mais je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Donc, la vigne était là, mais ne produisait rien du tout. Et dans le ministère, cela ne portait pas de fruits. Dans le ministère que Dieu m'a donné, est-ce qu'il y a des choses qui sont là? Est-ce qu'il y a des encombrements? Est-ce qu'il y a des choses qui sont là, sur lesquelles vous dépassez du temps, de l'argent, mais qui ne produisent rien du tout? Dans votre ministère, et qui ne sont pas utiles pour toi et pour les autres. C'est comme des arbres sur lesquels nous cherchons des fruits, mais qui ne produisent rien. Et découpe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Est-ce qu'il y a un tel domaine de ma vie, de mon ministère, et les choses après lesquelles je cours, les choses dans lesquelles je m'engage, et je dis, est-ce que cela porte du fruit? Est-ce que telle autre chose apporte de l'addition? Est-ce que cela apporte de la multiplication dans l'utilisation des talents et des dons que Dieu m'a donné? Je vérifie l'année précédente et je vérifie cette année et je vérifie depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans et je vois même que je nourris cet arbre et cet engagement et cet aspect de ma vie. Ça ne porte pas de fruits. Dieu dit, découpe-le. Pourquoi va-t-il occuper la terre maintenant? Nous brûlons le pont afin de brûler pour Dieu. En 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 4. 2 Timothée 2, 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Les affaires deviennent des encombrements.
Si tu n'expérimentes pas, ben tu le dis. Et comme une corde qui litait deux mains. Litait deux mains et les maintiennent attachées. Et tu n'arrives pas à couper la corde de toi-même. Les affaires du monde, les engagements de cette vie, qui ne sont même pas nécessaires ni pécheurs, qui sont seulement des encombrements, et t'amènent à voir ta pensée, ton cœur, tout attaché. C'est comme si le semeur est allé semer, et certains tombaient parmi les épines. Les épines les ont donc étouffées. Et Marc 4, 14 dit, les désirs d'autres choses ont entré, et les séductions des richesses, et les choses de cette vie venant ont étouffé la parole et la rendent infructueuse. Ce sont donc les encombrements, ce sont les choses qui empêchent, qui personne qui se met dans les choses de ce monde. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ce qui lui plaît, celui qui nous a choisi comme soldat, ce n'est pas quand tu viens devant le Seigneur que tu souris, non. Pour un soldat, cela ne plaît pas au capitaine qui l'a mis sur le champ de bataille et dit, voici pourquoi tu es dans l'armée. Nous devons savoir pourquoi nous sommes dans l'armée du Seigneur. Ce n'est pas oh, ce qui plaît au capitaine, c'est que tu bâtis un corps et tu es fort. Ça peut te préparer pour ce que tu dois faire, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Alors découvrons ce qui plaît à celui qui est mort pour le monde entier. Qu'est-ce qui plaît à celui qui a donné sa vie pour que chacun soit sauvé? Est-ce que je fais cela? Est-ce que je suis dans ce ministère? Est-ce que je plais au Seigneur qui amène, qui sort les pécheurs de leur fausse, de leur mal, et qui vient au Seigneur? Qu'est-ce qui plaît au maître? Que j'ai 50 personnes dans mon assemblée, et les 50 sont tous là. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Si je me concentre seulement sur les 50, et parfois je les fais bouger, et toi reste devant, assis derrière, et on réarrange seulement, il n'y a pas de croissance là-bas. Et les autres brebis ne viennent pas vérifier dans ta vie. Qu'est-ce qui plaît au maître? Vérifie dans ton ministère ce qui plaît au maître. Et ce qui va t'engager et va t'encombrer. Pour t'empêcher d'accomplir ce pourquoi il t'a appelé, tu dois brûler le pont devant ou derrière toi. Verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Quand on dit suivant les règles, les athlètes le font beaucoup. Les athlètes qui se préparent aux Jeux olympiques de ce temps, au temps de l'apôtre Paul, il y avait une manière de se bâtir, il y avait une manière de pratiquer à tout moment. Il y avait aussi un moment où ils allaient s'engager sur le champ, mais Pierre ne regarde pas un athlète et fait exactement ce que l'athlète fait. L'exemple de l'athlète est juste une illustration. Cela ne m'envoie pas sur la voie pour trottiner chaque jour. Cela ne m'envoie pas pour aller faire la même chose aux Jeux olympiques. Comme ils sont fidèles dans ce qu'ils font, qu'est-ce que je suis censé faire? Comment est-ce que je suis censé me préparer? Comment je suis censé m'équiper? Parce que si un homme ne combat pas selon les règles, dans l'appel que Dieu l'a lancé, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Deuxième élément, après avoir brûlé les ponts derrière, nous devons bâtir les ponts qui nous lient ou qui nous projettent aux engagements futurs, qui nous projettent avant de bâtir les ponts, construire les ponts.
Nous devons regarder tel aspect du chemin, regarder la rivière qui nous empêche de traverser la rivière pour passer à l'autre côté. On ne construit pas seulement les ponts sans regarder quel est le passé, quel est le présent, quels sont les obstacles qui m'empêchent d'arriver aux engagements futurs. Quels sont les engagements du futur? Quels sont les rêves? Quelle est la vision? Quelle est la passion? Et qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? De l'autre côté, maintenant je sais le pont qu'il faut construire. Parce que vous savez, si vous construisez un pont, et le pont, après avoir passé dépensé toutes vos ressources et tout ce que vous avez, et vous finissez de construire le pont et vous traversez de l'autre côté du pont, et c'est une terre stérile. Ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas ce que vous espérez. Maintenant, j'ai construit le pont. Maintenant, avant de passer du temps et des efforts et dépenser tout ce que vous avez à construire le pont, regardez les engagements futurs où vous allez. Et c'est ce que ces gens-là ont fait. Ceux qui ont reçu l'appel, ils savaient où ils allaient. Et parce qu'ils savaient où ils allaient, ils connaissaient l'avenir, les engagements futurs qui les attendaient. C'est pourquoi ils savaient quoi brûler et ils savaient quoi construire afin de pouvoir traverser. Je prie que tu sois un bâtisseur sage, un sage architecte. Et tu pourras dire gloire à Dieu. Là où je suis aujourd'hui, c'est à cause des ponts que j'ai construits avant aujourd'hui. Et tu vas bâtir. Et les ponts vont te porter et t'amener là où tu dois aller. Maintenant, quand les bâtisseurs construisent des ponts, ils regardent le type de camions lourds qui pourront passer sur le pont. C'est pourquoi les ponts sont différents. Les ponts sur ce ruisseau est différent du pont qui est sur cette rive, sur ce fleuve, est différent du pont sur l'océan. Vous voyez, je dis tout cela pour que nous connaissions les choses pratiques à faire. Regardez, tel ministre, il construit un pont. Regardez je regarde les dimensions, je regarde la force, je regarde. Oh, tout ce qu'il fait, je fais la même chose. Non, avant de faire exactement la même chose, est-ce que tu veux envoyer sur ce pont-là exactement ce que l'autre ministre veut faire passer sur son pont? Est-ce que son pont est assez large pour ta vision? Est-ce que son pont est assez lourd et solide pour ton appel? Tu dois vérifier cela. Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je veux aller là-bas? Et maintenant, je construis le pont. Alors, il construit le pont. S'il met des bois, et ça va le prendre un mois. Peut-être moi, je vais construire un pont. Ça peut me prendre plus d'un an. Parce que je bâtis un pont différent du pont qu'il est en train de construire. Mais ce que je veux que vous notiez, regardez votre vie, regardez votre appel, regardez votre ministère. Et construisez le pont qui vous projette dans l'engagement futur. 2 Rois 2, verset 2. En 2 Rois 2, verset 2. 2 Rois 2, 2. 2 Rois 2, 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Est-ce qu'il y a des décisions à prendre? En tant qu'un individu, que l'autre personne n'a pas à prendre. Regardez les 50 fils des prophètes. Est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître de toi aujourd'hui? Et il ne suivait pas Élie jusqu'à Bethel. Est-ce qu'on peut les copier? Ils sont les fils des prophètes. Ils sont également étudiants dans l'école des prophètes. Et ils ont déjà des dons, des révélations. Oh, voici mon ministère, mon don. Est-ce que je veux
qu'il soit limité à la vision et au don des fils des prophètes. Tu peux décider et tu peux aussi dire d'accord. C'est comme si j'ai la révélation, c'est comme j'ai la vision, c'est comme tu as au moins l'un des dons de l'esprit et je m'assieds avec toi. Tu assois avec eux, si c'est là la limite de ton appel, si c'est là la limite de ton ministère. Mais si ton ministère et ton appel vont au-delà de l'heure, tu dois leur dire, restez là où vous êtes, là où vous voulez rester, moi je vais plus loin. Quelqu'un là-bas, tu vas plus loin. Même Élie même dit, reste ici. Il dit, je ne te laisserai point. Et il descendira à Bethel. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. C'est facile de dire la même chose. Quand vous êtes affronté au même défi, les mêmes défis, reste ici, je ne te quitterai point. Et ils passèrent Bethel. Ils voulaient maintenant aller à Jéricho, reste ici. Le même défi, la même réponse. Il n'y a rien de mauvais à dire la même chose parce que lui-même disait la même chose, reste ici. Et il dit, je ne te laisserai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 6, il lui dit, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Élie dit la même chose. Est-ce que tu seras confronté par des gens qui ont de bon cœur, qui ont de bonnes intentions? Ils ne te veulent pas du mal et ils te disent la même chose. Oh, ça c'est trop pour moi, c'est bon pour moi. J'ai une constitution différente, j'ai un appel différent, je veux aller là-bas. Toi, reste ici, tu peux entendre la même chose. Ce que tu entends, ce n'est pas ce qui te décourage, c'est ce que tu interprètes de ce que tu as entendu qui te décourage. Il m'a découragé, non, il ne t'a pas découragé. Il a dit quelque chose et ses paroles m'ont découragé, non. Les paroles ne t'ont pas découragé. C'est ton interprétation, c'est ta compréhension, c'est la limite de ta vision qui a poussé à interpréter ce qui a été dit. Et ton interprétation t'a découragé. Il n'était pas le seul, Naomi a dit. Regarde ta belle-sœur, elle est repartie vers ses idoles. Toi aussi retourne et laisse-moi aller seule dans mon pays. Ruth pouvait dire, elle m'a découragé parce qu'elle a dit non. C'est ton interprétation. Et Ruth a dit, ne me dis pas de te laisser. Là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et je suis sûr que vous avez eu des paroles dans votre vie, dans le ministère, dans votre famille. Que vous pouvez doiter et dire, vous savez, je serai comme ci, comme ça, dans le ministère pastoral. Ni t'étais à cause de ce que tel m'a dit. Ils ont dit que je ne pouvais pas. Ils ont dit que je serais en train de gaspiller ma vie et mon temps. Si on donne l'opportunité à tout le monde pour dire ce que quelqu'un leur a dit par le passé, qui pouvait les amener à s'asseoir, nous aurons plusieurs histoires à raconter, mais ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'est ton interprétation de ce qu'ils ont dit. Après tout, en réalité, ce que Élie a dit ne venait pas de son cœur. Comment ça, sais-tu cela? Parce que Élie s'est rappelé, voici le jeune homme qui veut devenir prophète à ma place. Mais il a besoin d'être testé. Alors, je lui donne un test. Mais je ne vais pas dire Élie, Élisée, test. Reste là. Et si tu dis ça, tout le monde saura qu'il ne doit pas rester. Il n'a pas crié test. Il a juste sorti le test. Il y a plusieurs choses qui arrivent dans nos vies comme des tests. Mais personne
nous a averti à l'avance pour dire que c'est un test, c'est un test, c'est un test. Je prie, quand ton test viendra, que tu réussisses au test. C'est ceux qui réussissent au test qui traversent. Ceux qui ne réussissent pas au test et qui ont une mauvaise interprétation, ils ne traversent jamais, ils ne gravissent jamais une montagne, ils ne traversent aucun fleuve, aucun Jourdain. Moi, je vais réussir ma test. Le problème est, les tests, parfois, n'ont pas de temps et de date. Comme nos enfants l'ont à l'école. Telle période, il y aura les examens. Mais pour nous, nous ne savons pas quand est-ce que ça viendra. Ça peut être ce matin, ça peut être cet après-midi, ça peut être même au seuil de la grande manifestation de la puissance que tu as jamais reçue dans ta vie. Nous devons être vigilants et tu vas réussir au test. Et aider, je ne te laisserai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Je vais poursuivre. Troisième élément maintenant. Briser les ponts. Briser les barrières qui séparent plusieurs d'un enroulement fructueux. Briser les barrières qui séparent plusieurs d'un enroulement fructueux. Parfois, ce n'est pas nous-mêmes qui nous séparons des engagements futurs, des enroulements futurs, mais nous pouvons bloquer d'autres. En Luc 9, 49. Luc 9, 49. Jean prit la parole et dit, « Mais nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché. Pourquoi? Parce qu'il ne nous suit pas. » Quand tu penses à ce qu'un ministre peut, à ce qu'un ministre peut faire, et à ce que 10 ministres peuvent faire, et ce qu'à 100 ministres peuvent faire, tu comprendras alors ce dont nous parlons sur ôter les limites, pas dans ta vie seulement, mais dans la vie d'autres personnes. Si un homme pouvait le faire, qu'est-ce que 2 peuvent faire et qu'est-ce que 3 peuvent faire? Si Pierre pouvait prêcher un message et 3000 sont venus dans le royaume de Dieu avec un seul message. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire avec Philippe? Qu'est-ce que nous allons faire avec Étienne? Qu'est-ce que nous allons faire avec les autres 5 des 7? Alors les apôtres ont dit quelque chose de grand et de merveilleux quand ils ont dit, il n'est pas bon, il n'est pas juste pour nous de laisser la parole de Dieu pour servir aux tables. Grand. Ainsi, alors cherchons 7 hommes qui ont de bons témoignages. Cherchons 7 hommes qui sont remplis de foi et remplis du Saint-Esprit. Un instant, apôtre. Nous cherchons des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu les a-t-il remplis du Saint-Esprit? Vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Personne n'est rempli du Saint-Esprit pour servir aux tables. Nous pouvons ôter les limites dans notre vie personnelle, dans nos ministères personnels. Et nous mettons maintenant les limites sur le ministère d'autres personnes. Alors, ils ont choisi Étienne, ils ont choisi Philippe, ils ont choisi les autres. Qu'est-ce que nous devons faire, apôtres? Nous vous imposons les mains. Non, nous n'allons pas vous imposer les mains parce que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Maintenant, nous vous imposons les mains afin que vous puissiez distribuer la nourriture dans l'assemblée locale. Alors, ils les ont choisis. Mais la persécution a révoqué ce que les apôtres avait mis en place. Et Philippe était en Samarie. Il avait le Saint-Esprit. Et ce n'est pas ce que les apôtres ont donné comme onction ou leur imposé les mains ou établi à faire. Ce qu'on a choisi était passé maintenant. La persécution avait brûlé les ponts derrière. Ici maintenant,
on nous dit qu'il a prêché Christ. Et on dit, toute la ville a été convertie au Seigneur. Une grande joie dans la ville. Si nous ne faisons pas attention, nous allons attacher, nous allons maintenir sur place certains Philippe qui sont là, briser les barrières, qui séparent plusieurs d'un enrôlement fructueux. Toute la ville a été convertie au Seigneur. Et l'unique Éthiopien est venu au Seigneur. Et à la fin du chapitre 8, un miracle n'a jamais eu lieu dans la vie d'un apôtre. Après avoir baptisé l'Eunoque, et l'Éthiopien allait, l'Esprit de l'Éternel en l'enleva de face dans un avion invisible. Et il s'est retrouvé à Azote. Ce que je veux relever, comme vous coupez les liens, comme vous brûlez les ponts concernant votre vie personnelle, regardez Philippe, aidez-le. Ne le mettez pas là où ses engagements sont limités. Et il a plus de dons. Il ne va même pas, il n'utilise même pas ses dons en distribuant les repas. Envoyez-le là où. Permettez-le de voir la vision. Que voici ce qu'il peut être. Et ce Étienne, quand les gens ont regardé le visage d'Étienne, c'était comme un ange qu'on voit. Et il a fait beaucoup d'autres miracles et des prodiges parmi eux également. Le point est, aider les autres aussi à voir qui doit brûler les ponts derrière, qui doivent construire des ponts, qui pourra les aider à aller dans leur engagement futur. Et ils doivent aussi briser les barrières et les ponts qui les séparent et qui séparent les autres des enrôlements fructueux. Je prie que cela soit ton jour. Et le passé maintenant, nous pouvons nous débarrasser du passé. Nous sommes là il y a longtemps. Tournant en rond depuis 40 ans, c'est assez. Nous allons à la terre promise. Deuxième point maintenant. Se lier au bienfaiteur pour son baptême de la part de Dieu. Quand nous parlons du baptême, cela veut dire une immersion. Une immersion. Il arrive souvent, il est arrivé dans Acte 2, l'immersion dans le Saint-Esprit. Mais vous savez, le fruit de l'esprit est amour. Nous pouvons être immergés dans l'amour, baptisés dans l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie et la paix. Nous pouvons être tellement baptisés dans la joie du Seigneur. Et la joie du Seigneur est notre force. Nous pouvons être tellement baptisés et immergés dans la paix du Seigneur. Pour qu'en nous et autour de nous, nous sommes immergés dans la paix du Seigneur. Plusieurs de ceux qui disent « Je suis baptisé dans le Saint-Esprit », nous disons « Ça c'est grand, ça c'est bon, merveilleux. » Pourquoi n'es-tu pas baptisé d'amour, immergé dans d'amour? Pourquoi est-ce que tu n'es pas baptisé dans la joie, immergé dans la joie? Pourquoi n'es-tu pas baptisé dans la paix? Parce que quiconque fixe sa pensée sur le Seigneur, Dieu lui donnera la paix débordante. Pourquoi ne sommes-nous pas baptisés dans tous ces fruits de l'Esprit? Et nous sommes en eux et ils sont en nous. Lorsque nous sommes baptisés d'eau par immersion, l'eau est dedans, l'eau est autour de nous. L'eau nous rafraîchit de l'intérieur et à l'extérieur. Le baptême dont nous parlons ici, ce n'est pas un baptême limité. Le baptême de puissance, le baptême d'amour, le baptême de la paix de Dieu et le baptême dans le don et les grâces de l'Esprit de Dieu. Se lier au bienfaiteur pour son baptême de la part de Dieu. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement, lier ensemble, quel que soit le prix, le coût. Lier ensemble, quel que soit le coût. C'était coûteux pour Élisée de se lier à Élie. Il était un cultivateur accompli. Parce qu'il laboura avec 12 paires de bœufs. Il a laissé tout cela. Et ce que nous voyons Élisée faisant maintenant, c'est qu'il verse de l'eau sur les mains d'Élisée. Tu oublies qui tu étais.
un homme professionnel, un homme accompli, un homme qui a réussi avec ses réalisations. Maintenant, ce que tu fais, c'est de verser l'eau sur les mains d'Élie. Élisée dit, ça c'est le coup de se lier à mon bienfaiteur. Il y a un prix, il y a un coût à payer en se mettant avec le bienfaiteur. Et quel que soit le coût, tu dois lier ensemble. Deuxièmement, vaincre les tentations, quelle que soit la cause. Vaincre les tentations. Ici, Jérémie vient et il a rassemblé les filles de Récabite dans la maison du Seigneur et il dit, buvez du vin. Il pouvait dire, ah, il est le prophète. Il a été établi par le Seigneur avant leur naissance. Et c'était le prophète de la nation pour renverser et pour faire tout. Il devait avoir une bonne raison pour ça. En tant que prophète de Dieu, il dit, buvez du vin. Parfois, la tentation vient des gens. Vous pensez, non, il ne peut pas faire le mal. Il ne peut pas me conduire dans la direction que je dois pas aller. Comment tu sais? Vaincre les tentations, quiconque soit la cause. Troisièmement, c'est dompter la langue. Dompter les langues. Dompter les langues. Les fils des prophètes ne savaient pas pourquoi je suis Élie de façon intimite. Ils ne connaissent pas la profondeur de mon appel. La profondeur de mon et la largeur. Et ils pensaient que j'étais là seulement. Alors ils utilisaient les langues. Est-ce que tu sais? En trois endroits. Donc je dois dompter ces langues chaque fois qu'elle traverse mes intentions. Partout où je dois aller, je ne dompte pas ma langue. Je dompte leur langue. Si ma langue ne me cause pas dans les problèmes, leur langue va pas me causer des problèmes. Donc il y a des choses à faire. Premier élément maintenant, lier ensemble, quel que soit le coût. En 2 Rois 2, 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Ça veut dire quoi? Toi, reste zéro vitesse. Moi, je vais avec empressement et augmentant ma vitesse. Plus il avance, moi, je reste sur place. Plus le fossé entre nous sera grand. Maintenant, je n'ai jamais dit non avant Élie, mais je dois te dire non maintenant. Ça, c'est le coup. Comment elle peut regarder le visage d'Élie et lui dire non? Parfois, je dois le faire afin que je continue à me lier au bienfaiteur. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Et il a dit, c'est le prix à payer. Quand tu es fatigué, tu n'as pas dit, je suis fatigué. Même si tu es fatigué d'écouter la même chose, tu ne dis pas ça. Tu as l'air excité. C'est comme s'il y a quelque chose en toi. Et tu ne veux pas donner l'idée pour dire, ah, tu étais fatigué. Après tout, tu es épuisé. Depuis que nous sommes venus et nous sommes dans ce voyage-là, tu n'as rien mangé depuis. Tu ne veux même pas donner à Élisée type de compréhension. Ça, c'est une décision de ta volonté.
Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas tes sentiments, ce n'est pas que tu te sens excité, ce n'est pas une révélation. Nous avons assez de révélations, non. Le Seigneur va l'enlever, il va me laisser derrière. Si je rentre pas dans ce char qu'Élie va prendre, il y aura une raison céleste, une raison divine pourquoi laquelle je suis laissé derrière. Si je ne suis pas mort, si je suis encore vivant, si je respire encore, il doit y avoir une raison divine pour laquelle je respire en ce moment. Connais la raison de ta vie. Connais la raison pour laquelle Élie est parti et toi tu es resté. Connais la raison pour la personne qui t'a amené dans l'évangile. Il est peut-être mort à 53 ans et à 64, 70 ans, tu es encore vivant. Il faut connaître la raison pour laquelle tu es encore sur la terre. Et dis, je ne te laisserai point. Élisée, c'est une question de volonté. Et ma volonté ne tremble pas. Ma volonté n'est pas instable. Ma volonté n'est pas comme quelque chose que le vent peut emporter. J'ai pris la décision. Jusqu'à ce que je passe la dernière minute avec toi, je ne te laisserai point. Je ne te quitterai point. Ça, c'est le coup de se lier. Il dit, je ne te quitterai point. Il arrivait à Jéricho, verset 6. Verset 6, Élie lui dit, reste ici. Je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Maintenant, Jourdain, ça c'est un fleuve. Et depuis que je connais Élie, il n'a jamais divisé un fleuve pour que quelqu'un traverse. Il n'a jamais même montré un miracle similaire de Moïse. Si nous allons cette décision-là, je te quitterai point, là, et ma décision m'amène au Jourdain. Qu'est-ce que je vais faire? Ne t'en fais pas. Traverse le pont quand tu y arriveras. J'ai dit, tu vas traverser le pont quand tu y arriveras là-bas. Le fleuve, difficile à traverser, ne t'en fais pas. Arrive là-bas d'abord. Le fleuve. Mais quand le Jourdain déborde, oh, il balaie tout. Sur son chemin, ne t'en fais pas. Arrive là-bas d'abord. Vous voyez, parfois, nous mourons nous mourons mille fois avant de mourir. Nous créons ceci. Qu'est-ce qui va arriver après que Élie sera parti? Ah, parce que on m'a dit qu'il y a trois différents. L'Éternel va m'enlever ton maître à trois reprises. Et arriver aussi de l'autre côté du Jourdain. Comment est-ce que je vais revenir? Ne t'en fais pas pour le retour. L'Éternel t'amènera là où ton ministère se trouve. Ainsi donc, il a dit, comme l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent. Vous et moi, nous allons poursuivre. Il dit, vous et moi, nous allons poursuivre. Et ils poursuivirent, tous deux. Vous voyez le secret de la persévérance. C'est le secret d'évoluer et d'évoluer et d'évoluer. Et vous savez, nous ne corrigeons pas nos feuilles comme nos professeurs corrigeaient nos feuilles. 1, 2, 3. J'ai 2 de 3. Oh, 66%, ils ont dit que j'ai du crédit maintenant. Oh, j'ai un bon diplôme. Non, ça ne marche pas comme ça dans le spirituel. Parce que vous avez traversé à Bethel 1/3. Ensuite, vous allez venir à Jéricho 2/3. Maintenant, je vais au Jourdain. J'ai 2/3. Alors, 66%. Oh, j'ai réussi, non? Dans le spirituel, tu as échoué. Dans le spirituel, le manteau n'est pas encore venu. Dans le spirituel, l'appel dans le ministère et l'appel pour le ministère n'est pas affirmé et confirmé parce que nous avons 2/3. Nous devons aller de l'avant et tu dois poursuivre. Je vais poursuivre. Et c'est assez bon. La force qui m'a
amener à Bethel. Cette même force va m'amener à Jéricho. Et à cette bonne nouvelle, la force qui m'a amené à Bethel et à Jéricho, cette force m'a amené au Jourdain. Bonne nouvelle, le manteau que j'ai maintenant. Élie avait le manteau. Il ne m'a même pas permis de toucher ce manteau-là. Il a roulé seulement et l'a frappé le Jourdain. Mais j'ai vu ce manteau-là. Et il l'utilise maintenant en ma faveur. Et moi, je vais l'utiliser en quelques heures en faveur d'autres personnes. Le manteau que tu vois est le manteau que tu reçois. Le manteau que tu reçois, c'est le manteau qui agit, qui travaille pour toi. Le manteau que tu ne reçois pas ne peut pas travailler pour toi. C'est quand tu poursuis, quand tu poursuis, quand tu poursuis. Et alors, finalement, ce manteau tombe. Il n'est pas tombé pour quelqu'un d'autre. Pensez à cela. Tous les fils des prophètes n'étaient même pas là. Si ce manteau était tombé comme ça, comme Élie est monté au ciel, c'est seulement pour une seule personne. Une personne qui a persévéré jusqu'à la fin de ce voyage et qui a pris. Quand ce manteau vient pour toi, tu sauras que c'est pour toi. Tu vas le ramasser. Et Dieu fera ce que lui seul pourra faire dans ton ministère au nom de Jésus. Voyons le deuxième élément maintenant. Vaincre les tentations, quiconque soit la cause. Quelle que soit la cause, ou quelle que soit la personne qui en est la cause. 2 Rois 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit: sais-tu que l'Éternel enlève au lieu de ton maître au-dessus de ta tête quand une personne le fait? C'est assez fort pour renvoyer un homme, mais quand 2 personnes, 10 personnes, quand ils le disent ensemble, c'est assez fort. Quand 50 fils de prophètes disent les mêmes choses, est-ce que tu sais? Tu agis comme si tu n'as pas la connaissance. Tu agis comme si tu ne comprends pas ce qui va arriver à Élie aujourd'hui. Il dit: vous pensez que je ne sais pas? Je le sais. Taisez-vous. Parfois, nous parlons beaucoup. Je dois les convaincre que je sais. Oh, je dois les convaincre que je ne suis pas un ignorant. Je dois les convaincre et même leur dire que je connais plus que ce qu'ils connaissent. Non. Pourquoi est-ce que tu le fais? Quand tu le fais, Élie ne va pas t'attendre. Élie va avance. Je le sais. Alors, il dit: taisez-vous. Verset 5, les fils des prophètes étaient des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée. Il y avait une école des prophètes et ses étudiants étaient appelés fils des prophètes. Comme Paul se référait à Timothée, il a dit: mon fils dans la foi. Comme fils se référait à Tite comme fils de la foi. Ceux qui étaient à l'école des prophètes, on se référait à eux comme fils des prophètes. Ils étaient là pour apprendre le ministère prophétique. Ils étaient là pour apprendre comment les prophètes agissent, comment les prophètes prêchent, ce que les prophètes font. Ils apprenaient, mais ils ne sont jamais parvenus à l'exécution, à l'accomplissement de la connaissance qu'ils avaient. Ils avaient la connaissance, mais vous n'avez pas la pensée, la décision, la volonté de suivre avec le ministère prophétique pour lequel ils se préparaient. Et on dit: les filles des prophètes qui étaient à Jéricho vinrent à Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Aujourd'hui, il y a des ministres maintenant qui étudie la prophétie profondément. Il n'étudie pas autre chose. Ils étudient les temps et les saisons dans lesquelles nous vivons. Ils étudient tous les signes que nous devons voir.
quand le Seigneur va venir, ils connaissent les temps et les saisons qui vont arriver. Et soudainement, Christ va apparaître. Ils ont la connaissance du prophétique, de l'eschatologie, des choses à venir. Mais ils n'ont pas la connaissance en se préparant pour son retour. Comment? C'est fait qu'on étudie la prophétie, mais qu'on n'étudie pas comment se préparer pour le moment où ils viennent. Il dit, ton maître va enlever ton... Le Seigneur va enlever ton maître. J'ai dit, je le sais, taisez-vous. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Leurs prophéties vont s'accomplir. Ce qu'ils ont dit à Élisée va s'accomplir. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Quelle que soit la tentation, reste derrière. Reste là. Ne va plus loin. Tu as fait assez. Plusieurs voix peuvent le dire. Ils peuvent te le dire sur les médias sociaux. Ils peuvent te le dire dans ton assemblée locale. Reste. C'est assez, non? Qu'est-ce que tu cherches encore? Ce sont des tentations qui surviennent. Et nous devons savoir comment vaincre. Et tu vas vaincre toute tentation qui vient au nom de Jésus. Quel que soit le coup de cette tentation, nous ne regardons pas le coup, c'est-à-dire ceux-là qui sont cause de tentation, nous savons que je vais vaincre. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Troisième élément, nous savons que nous devons dompter nos langues. Est-ce que je peux dompter la langue de quelqu'un qui me dérange à tout moment? Est-ce que tu sais, je lui ai répondu, une autre personne vient, un parent même. Est-ce que tu sais? Et je dompte cette langue et j'avance encore. Chaque fois que je vais faire un pas, un autre pas, un pas. Est-ce que tu lis les nouvelles, les journaux? Oui. Est-ce que tu entends ce qui se passe? Oui, j'entends. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ceci? Oui, je sais. Mais la conversation ne va pas dépasser ce niveau. Je dois dompter leur langue. Si je ne le fais pas, ils vont dire plus. Si je ne le fais pas moi-même, parfois, je dois dire des choses que je ne dois pas dire. Dompte ta langue et dompte la langue des autres. Chaque fois qu'il traverse ta vision, chaque fois qu'il croise ton ministère, ou ils disent quelque chose différent de ce que Élie entendu de toi. Les langues qui parlent avant le transfert de cette puissance dans la vie d'Élisée domptent ces langues. Ils disent que le silence est doré. Cette fois-ci, le silence est vraiment doré. Ici, nous voyons, nous voulons dépasser nos limites passées. La puissance, une plus grande puissance, une plus grande onction. Comme nous sortons de la chambre, quelqu'un, oh, frère, tel pasteur. Oh, je te cherche, je cherche à te voir même. Oh, je ne peux pas parler maintenant. Il y a quelque chose qui brûle en moi. Je dois rentrer d'abord. Nous venons de finir la séance. Je n'ai pas encore fini ma session dans la prière. Je dois rentrer maintenant et prier vraiment sur ce que j'ai entendu. Oh, s'il te plaît, j'ai besoin de ton attention maintenant. Nous devons dompter leur langue. Parce que c'est un moment pour toi, pour Élisée, qui ne viendra plus encore. Dompte leur langue. Lorsqu'elle croise notre chemin. En Proverbe 10, verset 19. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le péché ici, parfois, pour la personne moyenne,
C'est un péché normal. Pour Samson, ce n'était pas seulement le péché d'être avec la chair, mais le péché de révéler ses secrets. Même le secret qu'il n'a même pas révélé à son père, à sa mère, celui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. Quelle est la mauvaise chose? Quel est le bavardage qui nous fait tomber, qui rend la puissance de Dieu à quitter notre vie? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Je serai prudent. J'ai dit, je serai prudent aujourd'hui. À quoi tu penses? Est-ce que tu penses que tu veux avoir le ministère d'Élysée? Cette question n'a pas besoin d'une réponse. Je serai prudent. D'où viens-tu? Ah, tu étais là-bas. Dépasser les limites, ouais, parle-moi. Quelle limite veux-tu dépasser? Le prudent se tait. Je parlerai au Seigneur. Je n'ai pas besoin de t'en parler. Parce que si je te dis ça, est-ce que tu vas m'aider à dépasser les limites, à accroître la puissance, à accroître l'onction? Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? D'accord. Tu es venu au lieu, tu veux faire ce que tu n'as jamais fait avant. Quelle est la raison de le répondre ou de la répondre? Est-ce qu'il va m'aider à atteindre ce que je n'ai jamais réalisé? Dompte leur langue et dompte ta langue. Quand tu seras là-bas, chacun te verra et saura que tu es là-bas. Et tu seras là-bas. Je serai là-bas. Troisième point maintenant. Troisième point. C'est bénédiction pour les bénéficiaires au-delà de ces frontières à travers Dieu. Vous voyez, les frontières d'Élysée en Israël, en Judée, il est allé au-delà de ces et les frontières, les périmètres du ministère. Il a dépassé aussi ses limites. Nous allons voir trois éléments aussi. Premièrement, les bénédictions illimitées à travers tout le pays. Les bénédictions illimitées à travers tout le pays. Le pays d'Israël. Et vous verrez la touche d'Élysée là-bas. La touche d'Élysée partout. Dans tout le pays. Deuxième élément, les bénédictions sont les bénédictions plus grandes que les limitations précédentes. Ce qu'il faisait, c'est qu'il versait l'eau sur les mains d'Élie. Et en diront, oh, ce que tu n'as pas pu faire quand Élie était là, quand tu étais côte à côte avec lui, comment tu penses maintenant que tu peux le faire maintenant que Élie est parti? Ne t'en fais pas, c'est notre appel, nous le ferons. Les bénédictions sans limite, plus grandes que les limitations précédentes. Troisièmement, les bénédictions. Nous voyons Élysée qui avance et qui rend les eaux amères douces. Nous gardons le souffle et nous disons au roi comment la victoire va venir. Nous disons à la femme qui avait le pot et les créanciers étaient venus prendre. Qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai rien d'autre. Ah, cela n'est jamais arrivé avant. Va prêter des vases vides et commence à verser. Remplis ceci, remplis cela. Il a dit à l'un des enfants, amène plus. Il n'y en a plus. Et l'eau et l'huile, c'est ça. J'ai rempli tout cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Va vendre et paie toutes tes dettes. Tes dettes sont payées au nom de Jésus. Mange et nourris ta famille du reste. Nous voyons Naaman qui vient. Oh mon Seigneur. Nous irons chez le prophète. Il sera guéri de sa lèpre. Connaissez.
va te plonger dans le Jourdain, ta chair reviendra. Après les délibérations, il est allé là-bas 3, 4, 5, 6 fois 7. Et la chair est revenue, la lèpre est partie. Nous voyons Gazi. Oh, d'où viens-tu? Ton serviteur n'est allé nulle part. Est-ce que je ne te voyais pas quand tu as couru après cet homme? Est-ce que c'est le moment d'avoir des vignes et tout cela? Mais la lèpre de Naaman vient sur toi. Et l'homme est sorti et il couvert de lèpre. Nous avons les Assyriens qui combattent les Israélites. Il était dans sa maison. Il a dit, va dire au roi. Le roi d'Assyrie te livre la guerre. Et il a échappé une deuxième fois. Le roi de Syrie a dit, ne voulez-vous me dire qui court tout cela? Qui rapporte tout ce que nous faisons comme plan, toutes les stratégies de guerre au roi de Samaï? Ils ont dit, oh, il n'y a personne, hein? Il y a un prophète là-bas, Élisée. Tout ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher, l'entend tout. Et il en parle au roi. Voyez cet homme, au-delà de ses frontières, il y avait la famine dans le pays, au point où les gens mangeaient même leurs enfants. Et le roi a dit que Dieu mettrait dans tout sa rigueur. Si la tête d'Élisée n'est pas coupée aujourd'hui, Élisée était là. Et il y avait des anciens avec lui. Il dit, voyez ce fils du meurtrier, il veut couper ma tête. Quand il viendra à la porte, saisissez-le. Et ils ont dit, comme l'Éternel est vivant, demain, il y aura donc de l'abondance dans le pays. Et l'officier sur lequel reposait la tête du roi dit, ah, même si Dieu ouvrait les fenêtres dans le ciel, est-ce que cela va arriver? Il a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et il en fut ainsi. Comme il avait dit, tout a été accompli dans la vie et dans le ministère d'Élisée. Comme tu regardes Élisée, il est allé au-delà de tout ministère qui avait été avant lui. Finalement, vous savez, puisqu'il n'est pas allé à l'enlèvement par les chars, il doit aller par la voie de tout le monde. Il est mort. Après sa mort, vous allez penser que bon, oh, il avait un grand ministère, c'était grand. Regardez tout ce qu'il a fait. Et le roi est venu vers lui. Ce dernier jour, mon père, char d'Israël, il a dit, ouvre la fenêtre et tire les flèches. Il a tiré trois fois. Frappe à terre. Il a frappé un, deux, trois. Il a arrêté. Et l'homme de Dieu a dit, j'étais en colère contre lui. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté trois fois? Pourquoi tu as arrêté la prière? Si tu n'avais pas arrêté la prière, tu allais conquérir au-delà de tes limitations. Dans tous les cas, tu vas vaincre trois fois. Et Élisée est parti. Mais son ministère n'avait pas fini. Il dit, mais son ministère n'avait pas fini. Ils l'ont enseveli. Et c'était un sépulcre ouvert. Il n'avait pas encore couvert. Et des gens amenaient un cadavre. Et quand ils venaient pour aller l'enterrer, ils ont vu une bande qui venait sans prière, sans attente et sans même demander quoi que ce soit comme miracle. Ils ont fait tomber le cadavre dans le tombeau de d'Élisée. Quand le corps mort est tombé et a touché le corps d'Élisée, Élisée était là, mais l'homme a repris vie. Je pensais que tu vas donner grand-mère. Le ministère est allé au-delà de sa vie. Nous avons beaucoup parlé d'Élisée. Maintenant, nous devons parler de toi. Ton moment est venu que tu vas te lier à Christ, ton bienfaiteur, pour qu'il te baptise dans son amour, dans sa puissance, dans son onction. Et je sais, parce que tu es ici aujourd'hui, et tu n'es pas là seulement, Dieu a voulu que tu sois ici aujourd'hui.
Il savait ce que tu vas entendre. Il savait ce qu'il va implanter dans ton cœur. Il savait. Il connaissait le désir qui naîtra dans ton cœur. Et il est là pour que cela se produise dans ta vie, dans ton ministère. Un nouveau supérieur est venu. Une nouvelle onction est venue. Une nouvelle puissance est venue maintenant. Qu'aucune autre voix ne t'empêche. Voici le moment pour recevoir. Lève-toi maintenant et parle au Seigneur. Des bénédictions illimitées dans ton ministère. Des ministères sans limite dans ta vie. Des bénédictions qui coupent le souffle au-delà de la vie terrestre. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Qu'aucune chose ne t'empêche. Qu'aucune pensée ne t'arrête. Qu'aucune idée ne t'arrête. Que ton passé ne t'arrête pas. Ton présent, ton avenir seront plus grands, plus élevés que ce que tu as jamais vu par le passé. C'est une nouvelle onction. C'est une onction fraîche. C'est une onction céleste venant sur ta vie et venant sur ta tête aujourd'hui. Quand Élisée a quitté les pères de Bœufs, il n'a jamais su ce qui l'attendait. Mais comme il a suivi, comme il a continué, la puissance est venue. L'onction est venue. Le nouveau ministère est venu. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour réservé pour toi. Brûle les ponts derrière. Construis les ponts. Qui te permettront d'aller dans les engagements futurs. Brise les barrières qui séparent les autres d'un enrôlement fructueux. Rien ne va t'empêcher. Et ne sois pas un obstacle pour toi-même. Aucune incrédulité. Il n'y a pas de bavardage, pas de limitation dans ta vie, pas de limitation dans ton ministère. L'avenir sera plus grand que le passé. Liés ensemble. Sois plus proche de Christ. Rapproche-toi de ton bienfaiteur. Liés ensemble. Rien entre toi et Christ. Rien entre toi et celui qui baptise. Rien entre toi et ton bienfaiteur. Vainc les tentations dans ta pensée. Il faut vaincre les tentations. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Il faut vaincre ces tentations. Tu as soif, n'est-ce pas? Il faut battre les tentations. Les autres parlent de toi. Il faut battre cette, vaincre cette tentation. Il faut dompter la langue. Ta langue, il faut la dompter. Ne dis pas ce que tu as l'habitude de dire. Il faut dompter ta langue.
Les paroles de découragement. Les propos d'anxiété. Les propos d'anxiété domptent la langue. Et domptent les autres langues également. Ces langues qui vont te détruire, dompte-les. Qui vont détruire ta voix. Dompte-les. Qui vont ôter ton cœur, ta passion. Dompte-les. Prépare-toi pour un ministère illimité, un ministère sans limite, un ministère qui coupe le souffle. Prépare-toi. Le Seigneur est pour toi, comme tu es pour le Seigneur. Tu vas dépasser les limites. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce que tu peux lever les mains? Est-ce que je peux te rappeler? Quand ce manteau est tombé, Élisée n'a senti aucune émotion. Ce n'est pas ce que nous ressentons dans nos émotions. Élisée n'a entendu aucune autre voix audible. Élisée n'a vu aucune vision dépeinte sur quelque chose. Mais il a su que mon manteau est venu. Le sentiment ou pas sentiment, chaleur ou pas ou fraîcheur, un sentiment de pleurer, un sentiment de sourire, quel que soit le sentiment, comprends, sans aucune voix audible, le manteau est venu. C'est l'action, c'est ce que tu fais. Après ce manteau qui divise le Jourdain, c'est ce que tu fais qui nous fera savoir qu'il a reçu ce miracle. Qualité, quantité, puissance. Irrésistible. Père, au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous ne sommes pas des accidents. Mon frère, ma soeur là-bas, tu n'es pas un accident. Tu es ici, en ce moment, pour un bon objectif. Parce que les cieux ouverts repose sur toi. Ton passé est passé. Un bon passé dans les mains du Seigneur. Le mauvais passé, c'est entre les mains du Seigneur. Tu ressors une nouvelle créature, un nouveau ministre, un nouvel homme, une nouvelle femme. Avec une nouvelle onction sur ta vie maintenant, au nom de Jésus. Bloque les pensées du passé. Dompte tes langues du passé. Les choses qui vont t'arrêter. Et lève-toi dans une nouvelle force. Avec une nouvelle onction. Avec nouvelle puissance, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur vol comme des aigles. Tu vas courir, tu ne seras pas fatigué. Tu vas marcher, tu ne seras pas épuisé. Parce que le Dieu du ciel envoie une nouvelle puissance, une nouvelle onction sur ta vie. Va et fais ce pour quoi tu as été établi. Seigneur, je prie que le manteau de puissance, le manteau d'onction, le manteau des signes et des prodiges et le manteau de la prédication, de la proclamation de la parole avec puissance vienne sur chacun maintenant au nom de Jésus. À travers toi, plusieurs âmes viendront dans le royaume. À travers toi, plusieurs vies désespérées seront remplies d'espoir. À travers toi, l'œuvre de Dieu sera accomplie et avancera dans tes frontières et au-delà de tes frontières au nom de Jésus. Puissance irrésistible. Puissance irrévitable. Viens sur chacun maintenant. Que nous le sentons ou pas, Seigneur, je prie pour que nous obtenions ce que tu veux. Cette foi sera dans chaque cœur maintenant. Et nous allons faire ce que tu as établi que nous fassions. Nous verrons de nouvelles choses que nous n'avons jamais vues. Nous ferons de nouvelles choses que nous n'avons jamais faites. Nous irons de nouveaux lieux où nous n'avons jamais allés. Chaque frère, chaque sœur, confirmation dans votre vie. Démonstration dans votre vie. Seigneur, manifeste-toi au-delà de nos vies précédentes. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous disons à notre Père? Merci beaucoup, Pasteur. Je vais inviter Bishop, le président de la communion évangélique du Niger, de la Zambie pour.